Mets-le sur le manteau. Carotide. 3 minutes. Bah des comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Oh, bout de merdasse. Mais non, tu vous venez tous les deux, on fait un selfie. Bon, on n'a pas de ce qu'il faut. On n'a jamais pu savoir si c'était un mâle ou une femelle. Il a passé le cœur à peu près. Oui. Les deux fois qu'on le voit, on a vu un... Et en vous approchant, vous avez les chiens derrière. On les a mis au... Très très fragile, très frileux. Bah, ils n'ont pas de graisse, ils n'ont pas de poils. Oui. Voilà, il y a une maille en trop ici. Voilà, mademoiselle. Alors, on a les plus vrais, vaut mieux rectifier. C'est le plus grand chien du monde. Ça, c'est un bébé. Il n'a pas 3 ans. T'as vu seulement. Non, on ne rentre pas. Il y a pas mal de. Oh, ta belle verge. Non. Bon, santé, mon fils. Ouais, mais au café de Bataclan, ils vont. J'embrasse, c'est la plus jeune et la plus belle aussi. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes. Sire Agoval, c'est un homme, grand commandeur, et tout sera à ma droite. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avez-vous fait vœu, ni promesse, ni porté l'habit d'aucun ordre? Non, si. Avez-vous une femme pour épouse ou fiancée ou promise? Dites en vérité, car si vous mentez, l'on vous ôterait votre habit et l'on vous fera assez de honte, et après on vous rendrait à votre femme. Deviez-vous aucune dette, pourquoi la maison pourrait être travaillée? Avez-vous une maladie secrète? Non, monsieur. Êtes-vous prêtre, ni avez les ordres sacrés? Frère, demandez-vous la compagnie de la maison? Mes frères, soyez en paix, soyez dignes de votre tabard et de votre manteau. Levez-vous.